Salut tout le monde, c'est Zero pour vous servir. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, donc c'est Resident Evil Village pour l'épisode 6, si je me rappelle bien. L'épisode 6, c'est parti. Donc dans le dernier épisode, nous avions battu la dame Dimitrescu, donc... voilà, un boss fight plutôt stylé qui m'a bouffé pas mal de mes ressources, mais bon, on s'en fout. Et donc là, on allait aller ici, donc vers la résidence de Beneviento. Donc c'est parti, on ouvre la porte et on y va tout de suite. Alors... Oui, dans le dernier épisode, le son, j'ai constaté qu'il était pas ouf. Là, il sera pas ouf encore, vu que c'est de la VR et que, bon... Disons que la PlayStation, elle est... sortie audio, elle est pas... Voilà. Elle est pas fofolle. Eh bien, la qualité sera merdique. Mais vous en faites pas, les vidéos, normalement, sur PC, seront de bien meilleure qualité, car j'ai acquis récemment un micro Rode. Un Rode de... Putain, je sais plus lequel exactement, mais c'est un Rode. Et pour avoir fait des tests, c'est vraiment une très très bonne qualité. Wow. Ouais, faut pas avoir le vertige, hein. Vu l'état des autres ponts, ça m'étonne que celui-là il soit encore entier. Quoi? Oh Mia! Ethan, viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Mia? Oh, j'arrive, hein. Alors voilà, notre cher Ethan est pris d'hallucination, on dirait bien. Rose a l'air différente. Ethan, tu dois faire quelque chose. C'est quoi ce bordel? Tout le monde m'abandonne. Même Rose. Je ne veux pas être seule. C'est pas réel. Non, effectivement, ce n'est pas réel. À Beneviento. Ok. Je deviens fou. Abandonne tes souvenirs. Photo de famille. Qu'est-ce qui se passe? Je peux récupérer ma photo, non? Non? Enfant de pute! Pardon. Ok. Ah! Un petit problème avec l'ascenseur, les mecs! Ah! Viens avec moi, Ethan. Non, ça va, merci! C'est lugubre. Ouais, non, c'est stylé par contre. Oh, putain, avec la cascade derrière. Ah merde, j'ai fait un demi-tour rapide sans faire exprès. Maison Beneviento, bah putain. On va voir s'il n'y a pas des trucs aux alentours, peut-être. Avant d'entrer. Ah,
Attends, il y a une chèvre. Une chèvre. Voilà. Bon. Bon, il n'y a plus rien. Hein. On peut y aller. Ok. Je remets mon casque bien. Voilà. Parce que mine de rien, quand le casque il tient pas sur la tête, c'est chiant. Il y a des pelotes de laine. Ok, bah c'est charmant quoi. On se sent à l'étroit. Je sais pas comment dire, mais c'est pas aussi grand que le château Dimitrescu, alors je trouve que on se sent vite à l'étroit. Ah putain, l'ascenseur est tout petit. Ça change de la maison Dimitrescu, je dois avouer. Je recharge, on sait jamais ce qu'il peut y avoir. Enfin, en l'occurrence, vu que j'ai déjà fait le jeu aussi, mais... Bon. On va aller droit au but. Ouais, l'ambiance, c'est très particulier, ici. Bon, on va accélérer un peu le mouvement. Je t'attendais d'ici longtemps. Je ferai une bien meilleure fille que Rose. Dis, tu veux pas rester avec moi pour toujours ? Non, non, franchement, non. Non, non, franchement, j'en ai pas envie, tu vois. Je peux mettre l'œil ou pas dedans? Non, je peux pas? Ok. Ouais, d'accord. Trois yeux fermés. Alors, madame. Une alliance, bien évidemment, en bois. Ah non. Ah non, elle est pas en bois. Enfin, j'ai pas l'impression. Une clé de remontage. Ok, bon, bah là, on a déjà pas mal de trucs. Ah, il y avait un truc là-dedans. Ok. Clé en argent. Ouais. Elle nous fait halluciner la meuf là. Donc là, on peut se planquer. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, ça peut pas être une inutile quand même. Je fais couler l'eau, j'en ai plus rien à foutre. Hein. Bon. C'est verrouillé depuis l'autre côté. Mais à quoi sert cette salle alors? Ah, laver l'alliance! Mais l'alliance, du coup, il y a quelque chose dedans ou... Faut peut-être que je... lui remette sur le doigt, non? Non, il y a peut-être un truc sur l'alliance. Ah! 05 29 11. Ok. Zéro.
5, 29, 11. Let's go! Ok. Cette boîte à musique est un souvenir de ma vie avec Ethan. Malheureusement, elle ne fonctionne plus. Encore un endroit pour se cacher. Clé de Qu'est-ce que c'est remontage. que là? Ah, activer boîte à musique. Comment je fais pour tourner le truc? Ah, ok, je tourne pas le truc. Comme ça, je pense que c'est bon. Ok, on a une pince. On a une pince. On peut récupérer ce qu'il y a dans la bouche de Mia. Enfin, du mannequin. Hein. Pas de Mia, Mia. Ok, bon, bah, d'accord. Hop, on récupère. Tu pouvais le faire avec les doigts, hein. Faut pas déconner. Ok, j'ai rien dit. Putain, y a Mia. Ok. Et y a de ces bruits, bordel, hein. Heureusement, je joue pas la nuit. Là, actuellement, il doit être 14h. Souvenir de famille, le meilleur ami de Rose. Elle aime beaucoup ses histoires. Alors, meilleur ami de Rose, elle aime beaucoup cette histoire. Ce qui compte le plus pour nous, un cadeau de mariage. Preuve de mon amour éternel. Alors, le meilleur ami de Rose, c'est le singe. Est-ce que je peux lire? Elle aime beaucoup cette histoire. Ce qui compte le plus pour nous. Un cadeau de mariage de grand-mère. Bah c'est bon là. Cadeau de mariage offert par grand-mère. La preuve de l'amour éternel d'Ethan pour moi, c'est la bague. Ce qui compte le plus pour nous, c'est Rose. Bah c'est bon. Ah c'est bon, ok. Bah appuyez sur une touche. D'accord. Très bien. Ok. D'accord. On y va, hein. Ah, ciseaux. Vous me croyez si je vous dis que je redoute le moment qui va arriver là? Vraiment, je le redoute. Y a personne au bout du fil. C'est suspect. Ok. Oh, tu te fous de ma gueule! Oui, allô, c'est le fisc? S'il te plaît, Ethan, Ah. écoute-moi. Je ne voulais pas te cacher ça. Mia? Je ne voulais
à détruire notre famille. Mia, de quoi tu parles ? Je vous aime tous les deux, tellement fort. Je n'ai pas eu le choix. Il fallait que je le fasse. Bon. Il tente de sortir la lampe. Merde. Mauvaise touche, désolé. Faut un emblème de bébé ici. Ok. Ah. Oh Mia. On a tous vu Mia là. Oh ça va toi hein. Non mais... Bon, faut prendre ça dans son sein. Ça va, ça va. Je vais la retrouver, t'inquiète pas. Je vais la retrouver. Bon. Attendez. Donc ça, c'est trois yeux fermés. Ouais. Ah bah c'est bon. Trois yeux fermés, ça. Oh putain, il fait sombre. Oh putain. Je vous jure qu'en VR, ça a rien à voir. Je vous jure qu'en VR, ça a rien à voir par rapport à la version normale. Ah mais non, descends. Du tableau électrique. Ok. Oh non. C'est ce moment que je redoute. C'est ce moment que je redoute. Déjà, quand en non-VR, c'était vraiment très flippant. Mais alors là, en VR, ça a rien à voir. C'est... horrible. Oh, wow. Non, non, d'accord, ok. D'accord, ok. Ça a rien à voir en VR, hein. Je vous jure. Les gars, je vous jure, en VR ça a rien à voir. Ok. Les gars, restez avec moi. Les gars, restez avec moi. Là, j'ai besoin de votre soutien. Je sais pas où il est. Les gars, en VR, ça a rien à voir. Coucou. Je vous promets que ça n'a rien à voir. Je me chie dessus, là. Mais casse-toi! Je me sens les trois dans ce placard, mais... Il est parti ou pas? Il
est parti. Je vous promets, je me chie dessus. Mais vraiment, je me chie dessus. C'est horrible. Ok. Ah putain, t'es obligé de tomber, toi. Tourne. Ah putain, voilà. Ok. Ouh. Désolé si je parle pas beaucoup, c'est juste que dans l'ambiance... je peux pas beaucoup parler. Merde, non, pas ça. Ça, oui, ça. C'est particulier. Les gars, si vous pouvez faire ce jeu, et les meufs hein, aussi, parce que n'oublions pas, si vous pouvez faire ce jeu en VR, faites-le. Faites-le rien que pour ce moment. Comme ça, vous pouvez comprendre ma détresse. Parce que je vous jure que c'est hardcore. Ah, ok, casse-toi. Arrête de rire. Cache-toi sous le lit. Vite, allez, putain. Putain, c'est particulier d'être sous le lit en VR, hein. Putain. C'est très très particulier. On se sent très très à l'étroit. Ah. Ok, je vais y aller pendant qu'il est derrière. Ok, c'est bon, il est derrière. Vite. Ok, allez, on y va. Putain, il revient. Vite. Au panneau. Mais je suis où, là? Je voulais pas aller là. Quoique. Faut que je retourne au panneau. Ok, c'est bon. On y est. Appuie! Vite. Oh putain! Allez! Oh bordel! Oh. Horrible. Waouh, ignoble. Achetez le jeu en VR, rien que pour ça. Je vous jure, ça vaut le coup. Ah, te voilà, petite connasse. Ne pars pas. Ah, grande connasse. Ah, toujours en vie, hein. Oh putain. Elle est obligatoirement en haut la première fois. Ça, je m'en souviens, elle est obligatoirement en haut.
Voilà. M'a mordu la main, connasse! Bah alors, on a mal! Pourtant, t'es qu'une petite poupée! Ah! Y'a quoi là-dedans? Y'a rien. Ok, bon. Merci de perdre du temps pour rien. Bon, c'est là où les endroits deviennent un peu plus aléatoires, on va dire. Si mon ami Savem regarde cette vidéo, il doit se foutre de ma gueule. Parce que lui, il connaît les emplacements. Moi, je les connais pas beaucoup. Et déjà, je pense que c'est là parce qu'il y a des traces de sang. Ok, ici. Rose aussi, tu lui fais ça? Bah non, t'es malade. T'es malade ou quoi? Ok, là. On parie. L'illusion se dissipe. Et voilà. C'est fini. Bien. Je vais arranger les choses. Clé à quatre ailes. Pièce combinée avec la clé. Nickel. C'est elle qui faisait tout ça. Eh oui, c'est elle. Allez, on le prend. Et on se casse. On se tire d'ici, Beneviento. On se casse. D'accord ? Il était horrifique. Ce passage, il était vraiment horrifique. Ah ! Content que ce soit fini. Parce que je vous avoue que je flippais ma race. Sans rire, hein. Je flippais vraiment beaucoup. Allez. C'est marrant, il n'y a plus écrit Come with me, Ethan. Ok, bon, on y va. Alors, je tiens à préciser aussi, mais dans ce let's play, je vais pas m'emmerder à faire tous les trésors, tous les petits trucs cachés, à revenir à droite à gauche. On va vraiment aller sur l'essentiel. On va vraiment aller sur l'essentiel dans ce let's play. Tout ce qui est trésor et tout, ça ne m'intéresse pas. Ah, ça par contre, ça m'intéresse. Ah, merde. Dégagez! Ok. Bon allez, dégagez! Dégagez! Voilà. Deux cartouches. On va pas aller loin. Ah. Fusil de snipe.
Ah, des pesetas, des pesos. Du coup, c'est par là. Ouais, c'est par là. Non, t'es pas obligé. Il a quand même réussi à me mettre un coup, ça me gonfle. On va aller là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ah, on a un endroit où mettre une manivelle. Ça tombe bien. Tête de Mélina. Eh ben, je peux la combiner. Eh non, je peux combiner. Si je fais trésor. Ah, en bas, combiner. Combiner pour en créer un nouveau. Melinda. Ah non, Madalina, pardon. Ok. Là, on n'a rien. Là, qu'est-ce qu'on a? Un truc où faut mettre une bouboule. Clé du lu machin. Ok. Bon, on va retourner vers le duc, hein. Puis on va mettre fin à cet épisode. En off, je vais aller récupérer ce qu'il y a dans la maison, au violon, là. Mais je vais faire ça en off, histoire que ça prenne pas de temps d'épisode. Puis comme ça, voilà, on sera bon. Bon, ça, j'en étais sûr. Voilà, donne-moi ça. Voilà. Putain. Arrêtez d'arriver en masse là. 3 balles qui me restent. 2 balles maintenant. Mais putain. Mais... C'est bon? Vous allez arrêter de venir ou bien? Bon. Ok, on va mettre le deuxième. Et bingo! Et on va sauvegarder. Et voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner si le concept de la chaîne vous plaît. En attendant, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Zero, fin de transmission.